Des combats ont éclaté samedi entre les rebelles et les forces du gouvernement à Mboro, près de Wo, dans le nord-ouest du pays. Ces affrontements surviennent deux jours seulement après les accords signés mercredi par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar à Khartoum au Soudan. Lire aussi, la rébellion accuse le gouvernement d'avoir violé le cessez-le-feu quelques heures seulement après son entrée en vigueur. Lam Paul Gabriel, le porte-parole militaire adjoint de la rébellion, a accusé l'armée gouvernementale d'avoir attaqué l'une de leurs positions. L'armée régulière a nié toute offensive lancée dans cette zone de Wo. Les deux parties avaient convenu d'un commun accord d'un cessez-le-feu permanent. Cet accord entre les forces rebelles et le gouvernement devrait prendre effet à partir du samedi 30 juin 2018.